quoi t'as battu mon âme, je me tue au-dedans de moi. Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Oui, pourquoi t'as battu mon âme et je me tue au-dedans de moi. Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth notre Seigneur avec parole saillot que nous joignons dans Psaume 42. Commencer depuis le verset 5 pour arriver jusqu'à verset 6. Nous bénissons Seigneur matin pour grâce que le fait nous. Déjà troisième jour dans le mois mai 2022, ça, ce nouveau mois, que le Seigneur permette que nous entrer là-dedans, que le Seigneur va servir avec lui pour que lui soit capable pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il y a un mois de porte ouverte, un mois de bénédiction, un mois de victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Et semaine, ça, c'est une semaine vraiment bénie, frères et sœurs, parce que nous avons une possibilité pour nous ensemble, vendredi soir, qui est venu là, 6 mai 2022. Vendredi, 6 mai 2022, à 10h du soir, nous avons ensemble jusqu'à minuit pour notre premier cri. Soyez dans notre, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, c'est pour aller un moment vraiment spécial devant le Seigneur, pour nous faire sept cris devant mon Dieu. Sept cris, ça y est, frères et sœurs. Donc, nous avons commencé, et vendredi, qu'a venu là, vendredi 6 mai, qu'a venu là, nous avons commencé avec sept cris. Nous disons, bon Dieu, merci pour chaque monde qui va répondre présent, qui va fidèle au rendez-vous, nous avons ensemble, et depuis à 10h du soir, vendredi 6 mai, nous avons ensemble, et à 10h du soir jusqu'à minuit. Donc nous avons ensemble sur chaîne moi-même serviteur frère Bigot Luxonnaire qui a parlé avec vous là. Donc nous avons ensemble sur chaîne là, quel que soit côté ou même qui a participé ensemble avec nous, préparer nous pour démarrer avec premier cri nous vendredi 6 mai 2022 qui a venu là. La parole de Dieu dit, frères et sœurs, dans Lamentations, chapitre 2, verset 19, il dit, lève-toi, pose des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. À l'entrée des veilles de la nuit, pour la vie de vos enfants qui meurent de faim dans les coins de toutes les rues. Donc, crie minuit, ça y est, frères et sœurs. C'est pour chaque mère de famille, spécialement chaque père de famille qui a un petit, qui a intercédé pour petit, pour petit, petit. Donc, criant également pour chaque monde qui a une situation difficile, qui a besoin de secours l'éternel. Donc, l'a fait crier. Donc, nous avons gagné 7 vendredis ensemble, nous avons gagné 7 cris minuit. Donc, chaque année, nous toujours gagné, eh bien, prière ça ensemble pendant 7 vendredis, nous avons gagné. Eh bien, 7 cris. Chaque vendredi, yo, a bien 7 cris là-dedans, yo. Chaque vendredi, yo, a bien 7 cris là-dedans, yo. Donc, jusqu'à ce que nous fassions 7 vendredis, donc, devant le Seigneur, n'a fait cri, yo. Pas oublier, frères et sœurs, ou un témoignage, pour bail. Grand pile là, nous, bon Dieu fait de grandes choses pour nous, pendant 7 cris, yo. Grand pile délivrance, bon Dieu bail. Parce que, il écrit dans la parole de Dieu, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Frères et sœurs, les gens sont malheureux, les gens ont un problème, les crier devant mon Dieu, tendez-les. Dites-le, et ceci sans exception, frères et sœurs. C'est pas pour dire que c'est mon qui bon seulement capable de crier devant mon Dieu, pour mon Dieu tendez-le. Non, non. Et puis, mon âme malheureux, mon âme misérable, il a un problème, il a une difficulté, dire les bon Dieu, tendez-les. C'est ça la parole de Dieu, dit non. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Quand un malheureux, quand t'es malheureux au matin, fais crier avec nous. Oui, au maître, fais crier ça avec nous. La bonne pour vous, la bonne pour vous, grand pile bagaille, bon Dieu va faire pour vous. Oui, nous sommes aux 34 frères et sœurs, la parole de Dieu dit, quand un malheureux,
quand un malheureux, monde qui malheureux, eh bien, crier beaucoup de bon Dieu tendez-le, commencez le premier verset 5 jusqu'à verset 6, les malheureux à crier, bon Dieu tendez-le, hein. Quel monde, c'est une maladie qui fait les malheureux, qui rend la vie li, oh, malheureuse. Quel monde, c'est un mariage que lié, c'est un mariage lié, mariage à rendre la vie li malheureuse, hein. La vive mal dans mariage là, la vive difficilement, difficilement la vive. Eh bien, fait crio avec nous, on a commencé vendredi si Dieu le veut. Jeudi à c'est mardi 3 mai 2022, on a commencé le 6 mai, vendredi 6 mai si Dieu le veut, on a commencé exactement à 10h du soir pour minuit. On a passé 2 heures de temps ensemble pendant cette crise, frères et sœurs, pendant cette vendredi. Donc vendredi qui venir, c'est pour le premier cria. Dans Psaume 34, frères et sœurs, commencé depuis verset 5, la parole de Dieu dit nous, les nous tournons regard nous vers lui-même, nous rayonnons de joie, nous rayonnons de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Et puis il pourrait l'ajouter pour dire, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux, quelqu'un qui est malheureux, l'aile crier devant bon Dieu tendez-le. Chacun de nous, probablement, qui a gagné une situation qui rend nous malheureux. Une situation qui fait que nous pas contents, nous en détresse. Mais c'est l'occasion pour faire crier devant le Seigneur, pour faire crier monter devant le Seigneur, parce que lui dit, les mondes qui malheureux, monde qui entravé à crier devant bon Dieu tendez-le et le délivre de toute détresse, lui. L'Éternel l'entend et il le sauve de toute sa détresse. Il le sauve de toute sa détresse. L'a sauvé dans toute détresse que le capable. Quand on y est matin, nous voilà la prière. Oui, pour chaque monde matin, qui dans situation difficile pour chaque monde matin qui gagne nan miyo qui a battu dans texte que nous partager avec vos frères et sœurs dans Psaume 42 à nous li pour matin côté que nous ouais et bien les fils de Coré comment que t'a parlé avec bon Dieu et lorsque arrivé dans verset 5 il dit pourquoi t'as battu mon âme gémis-tu au dedans de moi espère en Dieu car je le louerai encore il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéa. Oh, gloire à Dieu. Une situation là-dedans, nous sentis non moins abattus, ou sentis que sans force. Et ces prières, ça, y'ont fait devant bon Dieu, et puis y'ont parlé avec non mieux, frères et sœurs. Y'ont parlé avec non mieux. Y'ont dit non mieux comme ça. Pourquoi t'as battu mon âme? Pour qu'ils soient tristes concernant moi. Probablement, frères et sœurs, c'est l'esprit mon âme qui a parlé avec l'âme. Parce que, bon Dieu fait nous avec esprit, frères et sœurs, âme et corps. Donc, nous tripatites, nous avons trois parties dans nous. Donc, c'est l'esprit nous, c'est l'âme nous et c'est corps nous, frères et sœurs. Quand nous avons une situation que nous vivons, il y a fait. T'es nomme nous et c'est nomme nous généralement qui plus affecté par les situations difficiles. C'est nomme nous, c'est là et bien toute émotion, yo volonté et bien yo chita nan nomme nous. C'est ça qui fait que lorsque le Seigneur lui fait séparation ça nan nous avec sa parole, pas pouvoir Saint-Esprit avec parole, l'épée de sa parole, frères et sœurs, lui vient fait que nomme nan lui indépendant de l'esprit a et l'esprit a de même ni indépendant de nom non yo pas collé encore parce que l'on mon né de nouveau ce travail ça Saint-Esprit bon Dieu fait dans la vie li li détaché nom ni de l'esprit li c'est ça fait que désir yo même s'il gon désir même si que le tavle font bagaille mais au plus profond de li gon bagaille qui mettait un empêchement oui. C'est vrai, il y a une sensation pour le faire ça, il y a un désir, il y a une poussée pour le faire ça, mais l'esprit abdominal, l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu qui est dans l'esprit, lui, empêche de le faire ça. C'est ça qui fait que nous sommes capables
dominer tentation yo, nous capables remporter la victoire sous addiction qui dans la vie nous lorsque nous venons joindre le Seigneur, lorsque nous attendons des paroles bon Dieu, même si que l'ennemi qui a venu avec mauvaise proposition pour faire nous, même si l'ennemi est capable de mettre mauvaise pensée dans tête nous, mais nous pas céder parce que c'est notre esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a régné dans l'esprit nous et l'esprit nous les mène tout corps à frères et sœurs. La parole de Dieu fait nous connaître que frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, parole bon Dieu fait nous comprendre que nous-mêmes qui avons servi bon Dieu qui est né de nouveau, parole là li séparé moelle et jointure, esprit et âme. Esprit et âme. Donc, c'est travail, ça, que la parole de Dieu fait dans nous. Les séparer l'esprit, nous, avec l'âme, nous. Le fait que nous venons un monde nouveau. Un monde qui gagne une force extraordinaire pour lui passer des pressions, d'amener à désir qui pas bon, d'amener. Donc, l'esprit est capable de dominer. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Il dit, la parole de Dieu est efficace. Oui, elle est puissante. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. Frères et sœurs, une épée à double tranchant. Donc, parole bon Dieu, oui. Elle est efficace. La parole de Dieu est efficace. Parole bon Dieu est efficace. L'obtendez, c'est pas programmé ici. Non. Les pas programmé ici. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle travaille, elle fait en haut. Elle est efficace. Et ça fait que c'est pour prendre du temps pour écouter la parole de Dieu parce que c'est lui-même qui a construit, qui a fait ou devenir cette nouvelle créature que vous devriez. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important pour écouter la parole de Dieu, pour connaître la parole de Dieu, pour étudier la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc, il fait séparation âme avec l'esprit. Il fait que l'esprit nous, il partage avec l'âme nous encore, qui vient fait que nous soyons mon nouveau, nous soyons hommes spirituels, nous soyons femmes spirituelles, parce que l'esprit nous, il sorti dans l'âme nous, il détaché. Donc c'est la parole de Dieu qui fait ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Hébreux chapitre 4 verset 12, la parole de Dieu est efficace, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Donc c'est la parole de Dieu qui fait ça. La parole de Dieu est séparée âme et esprit. Mais les mondes n'ont pas connu de nouveau, les mondes n'ont pas connu le Seigneur, les mondes n'ont encore Chanel, frères et sœurs, ils pas né de nouveau, mondes n'ont l'esprit là qui font seul. Mais elle commence, mettez parole bon Dieu en pratique. L'œuvre du Saint-Esprit commence dans la ville, eh bien, l'esprit là qui vient détaché. Donc c'est ça que fait auteur à la frères et sœurs, les fils de Coré dans Psaume 42, ils sont capables de parler concernant prière devant bon Dieu et ils parlent avec nom yo. Hein? Tu as parlé avec nom ni pour dire comme ça que mon âme, pourquoi t'as battu et j'ai mis tu au dedans de moi pour qu'il soit abattu comme ça dans moi pour qu'il ça hein ou dans souffrance comme ça ou dans douleur comme ça mon âme pour qu'il soit dans souffrance ou dans douleur comme ça. Hein? On va louer bon Dieu. On va louer bon Dieu. Gloire à Dieu. Non seulement les fils de Coré, mais David également, frères et sœurs. David, t'es qu'on passe un homme ni l'autre pour louer bon Dieu. Il t'es qu'on passe un homme ni l'autre pour pas ingrat envers Dieu, frères et sœurs. Pour pas ingrat envers Dieu. Il t'es toujours dit, mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Les hommes ni voulaient ingrat. Dans Psaume 103, frères et sœurs, dit mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que nomme nous, frères et sœurs, c'est là la chanalité, chita, c'est là l'ennemi toujours voulu et bien passer pour que les corrompent, nous le fait nous tomber dans le péché, les séduit nous. C'est ça qui fait que les nappes jeûnées, c'est maîtrise de nomme nous. Hein, c'est maîtriser, c'est contrôler l'âme, nous. L'âme nous dit le besoin de manger, mais l'esprit nous dit non, nous pourquoi manger, n'a pas de l'eau seulement, n'a pas prendre dans tes corps, nous. L'âme nous accorde, nous, frères et sœurs, n'a pas prendre contrôler, yo.
Et que des prières, frères et sœurs, vous devez faire au niveau de l'esprit ou seulement, sans bouche ou pas l'ouvrir, sans bouche ou pas l'ouvrir. Donc, en façon pour que, eh bien, vous capable d'apprendre à prier en esprit. La parole de Dieu dit nous, dit encourager nous également dans Éphésiens, chapitre 6, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, frères et sœurs, nous besoin prier par l'esprit, par l'esprit. Donc, nous besoin faire en tout temps, faites en tout temps par l'esprit. C'est pas un jour, deux jours, trois jours, mais en tout temps, nous besoin quitter l'esprit, nous, en connexion avec l'esprit de Dieu, dans la prière. Nous cap travail, puis dans la prière, oui, on bagaille que nous axions, nous la prière, bon Dieu, dans le cœur, nous. Hein, pendant nous monter bus, là, nous la prière, bon Dieu, dans le cœur, nous. Tête nous baisser dans l'avion, dans la prière. Pendant que nous notre travail là, donc nous prenons un petit break, nous entrons dans la toilette ou bien pas connaît, nous faisons une quête de prière, nous parlons avec bon Dieu dans le cœur, nous. Donc c'est très important pour nous faire ça, frères et sœurs, pas seulement résumer la vie à peut-être 3 et séances de prière, le matin, à midi, le soir. C'est pas mauvais, non, si vous faites le constat. Mais si que vous êtes à l'épiro toujours pour que constamment devant le Seigneur, tout ça va fait, mais où est bon Dieu là, Dani? C'est Peter David qui dit ça, il dit que constamment, moi, ouais, le Seigneur devant Dieu, constamment. L'Éternel garde les simples, j'étais malheureux et il m'a sauvé. J'étais malheureux, t'es malheureux, mais le Seigneur sauvé, moi. Et frères et sœurs, ouais, tout le monde qui est malheureux, si vous pas cherché ce que bon Dieu, c'est dans la drogue, c'est dans l'autre bagaille, aller, c'est échoué, à échoué, parce que les hommes malheureux, c'est bon Dieu, c'est l'Éternel, ou crier dans pied, lui. C'est cela qui t'est créé, là, cherché. Parce que souvent, frères et sœurs, ça qui rend nous malheureux, c'est des bagailles que même si nous possédons, ça nous pense, si nous gagnons, nous pas malheureux encore. Eh bien, nous continuons malheureux toujours parce que, frères et sœurs, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? C'est la présence de Dieu, oui, qui fait nous sentir nous malheureux comme ça. Et ça fait gamper le monde qui perdu dans la drogue, frères et sœurs, en pile addiction, en pile bagaille drôle dans la vie, parce qu'ils ont cherché pour être heureux, ils ont cherché un sentiment de bien-être. Et ce sentiment de bien-être, c'est la paix intérieure, c'est la paix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, malheureusement, mon n'a cherché l'autre bagaille, il pensait que s'il vient ça, l'a heureux. Des fois, bon Dieu, quand on quitte nous, fin posséder, nous fait expérience, pour nous voir que, il y a toujours le vide en nous. Il y a toujours cette soif en nous. Il y a toujours ce désir de bonheur en nous. Et pourtant, lorsque nous joignons avec le Seigneur, nous combler totalement. Oui, nous combler totalement, parce que présence les remplit nous. Présence les remplit nous. Oui, sa présence nous remplit malgré les difficultés, mais on se sent bien, on se sent en paix malgré nous na épreuve, malgré autour de nous en pile brouille a fait, malgré ennemi nous a menacé nous, mais on se sent bien, on se sent en paix parce que frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, nous avons la présence de Dieu. Donc serviteur David, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, Libral vive expérience li avec le Seigneur, côté que c'était un homme de prière, mais li pas seulement rete nan matin, midi, soir seulement pour le chercher bon Dieu, mais constamment li dit li te gen le Seigneur sous yeux li. Constamment li tap chercher bon Dieu, constamment. Oh frères et sœurs, li dit dans Psaume 16 là, dans verset 8 là, li dit j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux quand il est à ma droite. Je ne chancelle pas. J'ai constamment le Seigneur devant mes yeux. Moi, gagne le Seigneur tout le temps, bas yeux, moi. Psaume 16, commencez dans verset 8, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. Donc, vous capable de comprendre, même avec vous, lorsque nous cherchons mon Dieu, lorsque nous avons la présence de Dieu en nous, au paquet de bagages qui va inquiéter nous, parce que le Seigneur constamment avec nous. Et frères et sœurs, li bon pour que nous connaissions la présence de Dieu, ça le représente dans la vie, nous, ça lié pour nous, avant de nous sortir, pour nous chercher présence, pour nous aller travailler avec présence, pour nous rentrer avec présence. Nous dans le travail là, nous avec présence, nous avons conduit, nous avons fait un long voyage, nous avons sa présence en nous. Et c'est lui-même qui
fait nous rester en paix, frères et sœurs. C'est lui-même qui a donné le calme, la paix intérieure, pour ne pas inquiéter nous, pour ne pas battre tête nos problèmes, pour quelle que soit situation qui était capable de présenter devant nous. Quand on est matin, bah qu'on est, ça va vivre dans la vie. Mais les fils de Corée, dans Psaume 42, ils ont dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi j'ai mis tu mon âme au-dedans de moi? Pour qui ça? Pour qui ça n'aime moins? Ou triste comme ça? Pour qui ça n'aime moins? Ou crier comme ça? Pour qui ça? Ou j'ai mis comme ça n'aime moins? Maintenant, on a besoin de parler avec Namon. On a besoin de parler avec Namon. Fait l'esprit ou parler avec Namon. Pour dire Namon, retournez dans le repos parce que l'éternel va bien. Lorsque vous sentez que nous voulait ingrat envers bon Dieu, c'est Victor David, frères et sœurs, dans Psaume 116, là, à partir du verset 7, il dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'éternel t'a fait du bien. Il parlait avec nous, il prend autorité. Son âme, pour dire, mon âme, retourne à ton repos, car l'éternel t'a fait du bien. Vous avez besoin de demander le Seigneur pour que lui prenne contrôle dans mon. Parce que c'est nous, nos frères et sœurs. C'est nous qui est plus important. C'est nous, le Seigneur, dans nos missions. Pas pouvoir Saint-Esprit a pour nous sauver. Il dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Nous n'est plus important que toute bagaille. Nous sommes plus important. Puis c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive à perdre son âme? Ou que donnerait un homme, hein, en échange de son âme? Qui ça un homme capable de bailler pour n'amener comme échange, frères et sœurs? Marc chapitre 8, verset 36. Que c'est-il à un homme, hein, s'il t'a gagné le monde entier? Que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Namo important, Bill. Donc, puisque l'important, on a besoin toujours veiller sur Namo. Veiller sur Namo. Garder qui s'est capable de développer dans Namo comme sentiment. Sentiment de haine. Qui s'est capable de développer dans Namo comme sentiment de culpabilité, de regret. Qui s'est capable de dominer Namo? Parce que il y a des mauvaises semences que l'ennemi mettait dans Namo, nos frères et sœurs, pour paniquer la vie, non. Eh bien, ou besoin prend autorité pour dire mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Des nouvelles ou recevoir qui paniquer, des problèmes ou la donner. Frères et sœurs, vous sentez namou la vaciller, namou triste, namou ab gémi, namou ab crier. Frères et sœurs, des fois même avec on pas qu'à faire différence là. Et des fois nous triste, nous angoissé, nous senti que namou nous pas en paix. Mais c'est pas tout nous-mêmes, parce que notre esprit a dit nous, cherchez bon Dieu. Notre esprit a dit nous, allez dans la prière. Notre esprit a invité nous, frères et sœurs, pour nous prendre un repos spirituel, pour que nous soyons capables de restructurer nous, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Et, on connaît, l'homme pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sortit de la bouche de l'Éternel. Donc, au moment dans la vie où j'en ai pile pain pour manger, c'est vrai. Où j'en ai pile manger, l'homme gagnant sur la terre qui est plus bon pour manger. Mais ça y est, pas qu'à combler vite, non, mon. Au besoin, le pain de la vie. Au besoin, le Seigneur Jésus-Christ comme le pain de la vie. Au besoin, lui comme plus bon boisson qui existait. L'eau qui bat la vie, hein. L'eau fin boile, au pas soif encore. Au pas soif encore. Et bagay ou pa bien folie pour yon encore. Et c'est ça, frères et sœurs, nous devons dire bon Dieu merci pour lui. Les nous rencontrer avec Christ. Lorsque le Seigneur vient dans la vie, nous, quand pile bagay nous pas fait folie pour yon encore, parce que le Seigneur satisfait nous. Nous devons être de l'eau qui baille la vie, hein. De l'eau qui satisfait nous, hein. Vous te a chanté, il dit, n'a moins tes soif, n'a pas cherché de l'eau pour m'boire. Dans tout voisinage là, n'a pas cherché. Même pas capable de joindre. Mais l'aime vient joindre avec Jésus, soif la passée, oui. Jésus-Christ, c'est de l'eau qui baille la vie, hein. Oh, amen. Au même monde, matin, hein, cap chercher de l'eau, ça, pour y'a boire. Y'a bagay, wap chercher, y'a pas satisfaire, oh. Y'a bagay, non, wap toujours triste, même souprend, yo. C'est ça qui fait que, frères et sœurs, monde qui fait expérience alcool, monde qui fait expérience drogue, yo finit par comprendre que yo t'es fait erreur, yo détruit la vie, yo, parce que bagay ça yo pas satisfait, yo. C'est pour un moment, frères et sœurs. Mais, les sensations finales, yo retourné dans l'état qui pis mal. Yo retourné dépressif encore. Yo retourné, frères et sœurs, dans l'état qui pis mal.
Et ça fait matin, hein, le Seigneur prêt pour le guérir ou même qui malade dans l'âme, ou même dans l'âme blessé, ou même dans l'âme abattu, chercher bon Dieu. Fais l'esprit ou parler avec l'âme. Dis l'âme comme ça. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme pour qu'il soit triste comme ça, pour qu'il soit gémi comme ça, pour qu'il soit crié en âme comme ça, pour qu'il soit peur comme ça. L'âme moi, retourne à repos parce que bon Dieu fait bien. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pas oublier ça, bon Dieu fait pour vous, non moins. Passez dans mon Lord. Passez dans mon Lord. Les noms voulez faire ça qui n'est pas dans volonté, bon Dieu. Dis mon âme, retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Lorsque nom voulez un grand vers bon Dieu, dis mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. En Somme 103, serviteur David, très reconnaissant, la prière, comme ça, il commençait, il songeait tout ça, bon Dieu fait pour n'amener. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maladie, il te gagne un homme, frère et sœur, angoisse que il te gagne. C'est bon Dieu guérit de toute bagage, ça y est, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Des fois, frères et sœurs, qu'on sentit que, ou triste, ou qu'on sentit ou angoissé, ou qu'on sentit que, ou pas bien, au plus profond de vous-même, pas chercher une cigarette, pas chercher alcool, pas habituer tête ou avec gens de bagages sérieux pour sortir de dépression, pour